Inspection des assiettes après chaque repas pour ces lycéens niortais. C'est quoi ça? Non, pas le pain, la viande. On t'a pas forcé à la prendre pourtant. Tu le sais très bien, tu connais comment on fonctionne. Pour réduire les déchets alimentaires, les cuisiniers demandent aux élèves de consommer tout ce qu'ils mettent sur leur plateau. Une tranche, deux tranches, jeune homme. Une tranche. Voilà, bon appétit. Et le message passe en général très bien. Vous êtes un bon élève, il n'y a quasiment aucun déchet. Hein. Bah ouais, la nourriture, je trouve, elle est bonne ici. Ils font des beaux thèmes, on a le droit à avoir des desserts. J'aime bien ce qu'ils proposent, j'aime bien. Vous, en revanche, vous allez vous faire gronder parce qu'il y a plein de déchets dans votre assiette. Ouais, il y a un petit peu des déchets verts, un petit peu, mais c'est quand même très bon. On a bien mangé, on est content. On a un bon lycée, on a un bon sel. Le secret des cuisiniers de ce restaurant scolaire, travailler tous les jours leurs produits. Ce midi-là, au menu, bœuf bourguignon. On fait des cuissons longues, basse température, en cuisson de nuit. Et là, c'est pareil, avec des oignons frais, des carottes fraîches, du vin rouge. Hein. Ça ne devrait pas en rester trop. Normalement, il n'en restera pas trop. Ils aiment ça. Et en effet, 3 heures plus tard, à la fin du service, quand les déchets sont pesés, les résultats sont spectaculaires. Donc là, avec les 3 poubelles, on est à 47,5 kg pour la journée. Pour 1034 élèves servis, ce qui fait du 27,55 g. Par rapport à il y a 4 ans, 4-5 ans, on est à 150 grammes. C'est 5 fois moins qu'il y a 4-5 ans. Cette réduction du gaspillage permet aussi à l'établissement de faire des économies et ainsi maintenir le coût de fabrication d'un repas pour un élève à 2,40 €.